imensa responsabilidade conduzir essa conversa. E por motivos óbvios, eu pretendo falar muito pouco, fazer algumas questões e deixar que o Luc Ferry converse com vocês. Bom, o Hamilton já fez a apresentação. O Luc Ferry, além de um grande filósofo e responsável por algo muito difícil e louvável ao mesmo tempo, a popularização da filosofia. Esse livro, Aprender a Viver, já vendeu quase 1 milhão de exemplares no mundo todo. Ele teve também uma passagem muito significativa e polêmica também na política francesa, como ministro da Educação. Portanto, certamente, enfim, é uma pessoa que nos trará uma conversa muito agradável. Eu queria, então, começar com uma pergunta um pouco genérica, mas que nos ajudará a esquentar a conversa, perguntando ao senhor para que serve a filosofia. Je prends ton... Non, ça va? Ça marche? Non, okay. Donc, pardon, je réponds en français. Mais d'abord, merci. Un très grand merci pour m'avoir invité. Merci à vous, monsieur, pour les paroles gentilles de présentation. Sachez que je vous dis ça très, très sincèrement, très franchement. J'adore le Brésil, donc je suis toujours ravi de venir chez vous. Je trouve que c'est un pays formidable, un pays passionnant, un pays qui nous fait peur à nous, vieux Européens, parce que la concurrence avec vous commence à être difficile sur le plan économique, et notamment agricole. Mais c'est un pays magnifique, c'est un pays qui bouge à une vitesse folle, c'est un pays qui est une vraie démocratie, c'est un pays en plus plein de beauté naturelle. Et donc, voilà, pour moi, c'est... Je voulais le dire sincèrement, c'est un bonheur d'être ici à Sao Paulo avec vous. Alors, la philosophie, bon, le but de la philosophie, c'est pas comme on l'enseigne dans nos lycées, dans nos écoles en France, en Europe, c'est pas l'apprentissage de l'esprit critique et de l'argumentation. Ça va de soi. Mais ce n'est pas spécifique à la philosophie. Tous les scientifiques argumentent. Tous les scientifiques ont l'esprit critique. Tous les journalistes, leur métier avant tout, c'est l'esprit critique. C'est l'argumentation. Et ce n'est pas des philosophes. Donc le but de la philosophie, ça n'est pas d'apprendre à argumenter, ça n'est pas d'apprendre à penser même. Le but de la philosophie, c'est de parvenir à la vie bonne, à la vita beata. La vie bonne, ce que les anciens appellent la vie bienheureuse, la vie bonne. La vie bonne, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur est une idée absurde. Le bonheur n'existe pas. Nous avons des moments de joie dans nos vies. Ils sont assez rares, d'ailleurs. Mais on a des moments de vraie joie. On a des moments de plaisir. Mais le bonheur n'est évidemment pas un état stable. De toute façon, vous allez perdre un jour ou l'autre les gens que vous aimez. Forcément, un jour ou l'autre, vous divorcerez, ou vous serez quitté par quelqu'un que vous aimez passionnément, ou vous quitterez quelqu'un que vous aimez passionnément, ou le gendarme vous annoncera que votre fils ou votre fille a eu un accident de voiture. Un jour, le médecin vous annoncera que vous avez un cancer. Votre patron vous annoncera que vous êtes viré. De toute façon, vous aurez des soucis. Bon. Et donc, le bonheur n'est pas un état stable. Le bonheur est une idée absurde. Il y a des moments de joie, et ce que promet la philosophie, ce n'est pas le bonheur, sauf les mauvais philosophes. Mais ce que promet la philosophie, c'est la sérénité. Ce n'est pas la même chose. La sérénité, c'est quoi ? La sérénité, c'est d'abord et avant tout la victoire sur les peurs. Il y a 3 types de peurs qui nous empêchent de parvenir à la sérénité. Et c'est vraiment là que la philosophie commence. Peut-être on développera après, mais je vous indique juste les 3 peurs en question. Premièrement, il y a les peurs sociales, la timidité. Quand vous venez d'un milieu social bas, et vous rencontrez quelqu'un de très très important, votre patron, vous avez peur, vous avez la gorge sèche, vous rougissez, vous pâlissez, vous êtes malheureux.
Et ça peut être une maladie, la timidité. Ne pas oser parler en public. Il y a beaucoup de femmes, souvent, qui ont des maris très importants, ou le contraire, et qui ne parlent jamais dans les dîners. Bon, ça existe. Il y a une deuxième peur qui est plus profonde. C'est ce que les psychanalystes appellent les phobies. La peur des petits animaux, les souris, les petits serpents, la peur des insectes, la claustrophobie. Quand un ascenseur tombe en panne, vous avez des gens qui sont saisis par l'angoisse. Beaucoup de femmes ont peur du cancer, beaucoup plus que les hommes. Quand il y a une petite boule qui apparaît, là on a une boule sur la main, et alors il faut que la sœur, souvent, ou la maman, elle touche la boule pour voir si ça n'a pas augmenté. Et quand on est sûr qu'on a le cancer, alors juste pensez à ça. Quand l'angoisse s'empare de vous, elle glace le cœur. Vraiment, on est glacé. Ça vous poisse, ça vous colle. Eh bien, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est le contraire de la sérénité et de la sagesse. Quand on est saisi par l'angoisse, on devient égoïste et bête. Bête parce qu'on peut avoir peur d'une petite souris. Et la souris n'a jamais tué personne. C'est un petit animal très gentil. C'est même pas sale. Et donc, vous avez peur d'une petite bête. J'étais l'autre jour en Martinique. Je vous raconte ça parce que ça m'a frappé. J'étais en Martinique, en vacances, avec un ami qui est un grand chasseur. Moi, je déteste la chasse, mais peu importe. J'aime mon ami quand même. Et il y a un petit crapaud qui traverse là devant nous. J'attrape le petit crapaud comme ça, parce que je veux pas qu'on... Moi, j'aime bien les bêtes. Je veux pas qu'on lui fasse du mal. Et alors, j'attrape le petit crapaud pour le mettre dans l'herbe. Et je lui montre le crapaud. Mais il pousse un cri. Et comme s'il avait vu le diable. À phobie. Bon. Et là, je dis, c'est de la bêtise. On devient bête. Hein? Et on devient égoïste. Autrement dit, la peur nous empêche d'accéder aux deux qualités du sage. Être capable d'aimer les autres, ne pas penser qu'à soi, et être capable de penser intelligemment, liberté de penser. Et puis la troisième peur, et je vais m'arrêter là pour la première question, pardon. La troisième peur, c'est la peur de la mort. C'est la grande peur. Et toutes les grandes philosophies nous promettent la victoire sur la peur de la mort, jusqu'à Schopenhauer, et même Nietzsche, avec la doctrine de l'éternel retour. Et juste deux petites remarques sur la peur de la mort, parce que c'est beaucoup moins banal qu'on imagine. La peur de la mort, premièrement, souvent, c'est beaucoup plus la peur de la mort des gens qu'on aime, par exemple ses enfants, que la peur de sa mort à soi. C'est pas forcément, pour le coup, uniquement centré sur soi. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, et ça c'est la plus importante sur cette peur-là, c'est que la mort, c'est pas simplement la fin de la vie. C'est pas simplement quand ça s'arrête, biologiquement. La mort, c'est à l'intérieur de la vie tout ce qui relève de l'irréversibilité du temps. Dans un très joli poème d'Edgar Allan Poe, Edgar Poe qui s'appelle « Le corbeau ». Le corbeau symbolise la mort, et le corbeau se pose sur la fenêtre. Et c'est un corbeau qui parle comme un perroquet, ça existe d'ailleurs. Hein. Et ce corbeau ne dit qu'une seule phrase, « Never more », plus jamais. Ça, c'est la mort. La mort pour un enfant, ça peut être la fin des vacances. Ça peut être le divorce des parents, parce qu'il sait qu'il ne retrouvera jamais l'harmonie de la maison. La mort, ça peut être la séparation d'avec la personne qu'on aime, on se sépare, on divorce. Tout ce qui est du l'ordre du never more, du plus jamais, nous donne profondément le sentiment de la mort. Et quand les gens meurent vraiment, ce qu'on ressent, c'est qu'on ne pourra plus jamais décrocher le téléphone pour parler avec son frère qui est mort, ou avec sa mère, ou que sais-je. Et c'est ce sentiment du plus jamais qui est le sentiment de la peur de la mort. Et alors, toutes les grandes philosophies, notamment en Grèce, dans l'Antiquité, avaient comme projet d'apprendre à vivre, enseigner comment vivre, comment parvenir à la vie bonne. Non pas, encore une fois, l'esprit critique, l'argumentation, tout ça, ça existe partout. Mais comment parvenir à la vie bonne, définie comme sérénité, c'est-à-dire comme victoire sur les peurs
qui nous empêche de bien penser et de bien aimer. Voilà le but de la philosophie, c'est pas autre chose. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, enfim, na verdade uma rápida provocação, mas para a gente poder esquentar pouco a conversa. As pessoas procuram respostas a boa parte das perguntas, das dúvidas e dos medos do homem hoje em dia, numa outra região, numa outra atividade, que é a religião. Então as pessoas substituem a filosofia pela religião. Isso, religião, na verdade, veio antes até da filosofia. A provocação é o que a filosofia oferece que a religião não oferece. Je comprends très bien. En effet, alors, toute la thèse de mon livre, Apprendre à vivre, c'est que la religion, et moi je respecte, je ne suis pas du tout croyant, mais je respecte beaucoup les religions, et je les aime beaucoup. Mais toute la thèse de mon livre, c'est que la religion, les grandes religions, et la philosophie, les grandes philosophies, ont exactement le même but. C'est de parvenir à la vie bienheureuse. C'est-à-dire ne plus avoir peur. Dans la religion chrétienne, au fond, si vous avez la foi, vous n'avez plus peur. Souvenez-vous, le plus bel épisode de l'évangile de Jean, c'est l'épisode de la mort de Lazare. Souvenez-vous de l'épisode de la mort de Lazare, c'est magnifique. Lazare est l'ami du Christ. Et lorsque le Christ apprend la mort de son ami, souvenez-vous, il est loin et il fait exprès de rester sur place. Il ne rentre pas dans la ville où est son ami. Pourquoi ? Parce qu'il attend que le corps de son ami, la chair du corps de son ami, soit pourrie. Et le texte grec de l'évangile dit très exactement que le corps de Lazare puait, sentait mauvais. Ce qui était pourri, simplement. C'est le cadavre. Et donc, le Christ, Jésus, fait exprès d'attendre que le corps soit bien pourri. Pourquoi ? Parce qu'il va pratiquer la résurrection de la chair. Et le message, c'est que l'amour sauve. L'amour est plus fort que la mort. Si on a la foi. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vaincre la peur fondamentale, la peur de la mort, et notamment de la peur de l'autre qu'on aime, la mort de celui qu'on aime. On va vaincre la peur, mais grâce à la foi et en passant par un Dieu. Donc les religions, ce sont des doctrines du salut par la foi et par Dieu. Salut, vous savez, étymologiquement, ça veut dire sauver. Hein. Salut, en latin, c'est, comme en grec d'ailleurs, hein, sozein, c'est le sauvetage. On est sauvé de la peur de la mort par Dieu et par la foi. Toute la philosophie, toutes les grandes philosophies, sans exception, veulent la même chose, sauver les humains des peurs qui les empêchent de vivre. Bien. Mais les grandes philosophies sont des doctrines du salut, sans Dieu et sans la foi, par les moyens du bord. Et la première grande réponse apportée à la question de la vie bonne, à la question du salut, comment se sauver des peurs, la première grande réponse apportée à cette question qui ne passe pas par Dieu et par la foi, c'est l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire d'Homère, de l'Odyssée. Au fond, l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui va du chaos de la guerre de Troie, à l'harmonie de la paix. Il va de la haine à l'amour. Il va du chaos à l'harmonie. Il va de la guerre à la paix. Il va de l'exil au chez-soi. Et cette trajectoire qui va durer 20 ans, 10 ans de guerre, puis 10 ans de voyage de retour, elle se termine par la réconciliation d'Ulysse avec sa ville, Ithaque, c'est avec l'ordre cosmique, le monde, avec sa famille, avec Pénélope, sa femme, avec Télémaque, son fils. Et là, quand Ulysse se réconcilie avec le monde, il comprend une chose. Je vais juste vous dire cette chose-là pour que vous compreniez ce que c'est qu'une réponse non religieuse, philosophique, à la question du salut. Juste cette idée-là. Il y en a plein d'autres, mais juste celle-là pour vous donner un exemple concret. Pendant les 20 ans où Ulysse n'est pas chez lui, pendant les 20 ans où il est à Troie, en guerre, ou en voyage pour essayer de rentrer chez lui, donc il est dans le malheur,
pendant ces 20 années, Ulysse vit toujours dans le passé ou dans le futur. Les Grecs pensaient qu'il y a deux grands fléaux qui pèsent sur la vie humaine, qui empêchent de parvenir à la sérénité, c'est le passé et le futur. Le passé nous empêche de vivre dans le présent à l'aide de quatre grandes passions très fortes, terrifiantes, funestes. Les regrets, les remords, les culpabilités, les nostalgies. Le passé a été heureux, comme pour Ulysse, on regrette le bon vieux temps. Le passé a-t-il été malheureux? Alors on est rongé par les remords, les culpabilités, on se réveille la nuit en se disant « Mais pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai dit ça ?» Et quand on quitte le passé, c'est pour tomber dans une autre illusion, le futur, l'espérance que ça ira mieux après. Quand on aura changé de coiffure, de chaussures, de voiture, de mari, de femme, de maison, de métier, de patron, eh bien, c'est la grande illusion. Et regardez l'histoire d'Ulysse. Pendant 20 ans, Ulysse vit dans la nostalgie d'Ithaque, dans le regret de sa ville qu'il a perdue, de sa femme qu'il a perdue, ou dans l'espérance d'Ithaque, dans l'espérance de retourner à Ithaque. Il est toujours dans le passé ou dans le futur, jamais dans le présent. Et quand il est dans le présent, c'est la guerre, c'est l'horreur, c'est le sang et la souffrance. Et c'est seulement quand il va rentrer à Ithaque qu'il va pouvoir enfin habiter le présent. Définition du sage, voilà le but de la philosophie. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à vivre un peu moins dans le passé, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. C'est ce que Nietzsche appellera « amor fati », l'amour du fatum, c'est l'amour de ce qui est là, c'est l'amour du destin, c'est l'amour du présent. Les bouddhistes diront la même chose. La seule dimension du temps qui est réelle, c'est le présent. Le passé est un ne pas, le passé n'est plus. Le futur est un ne pas, un néant. Le futur n'est pas encore, et nous sommes tout le temps dans le passé, dans le futur, et jamais dans le présent. Tout le temps, on est dans les projets, qu'est-ce qu'on va faire demain, quelle va être la ligne éditoriale du journal la semaine prochaine, on est constamment, quel article est-ce que je vais écrire, quel livre je vais faire, ou alors on est dans les souvenirs. Bon. Eh bien, le sage, c'est celui qui, comme Ulysse, parvient à habiter le présent, à vivre dans l'amor fati, dans l'amour et l'intelligence. Voilà, c'est pas l'esprit critique, c'est pas l'argumentation, c'est autre chose. C'est mille fois plus profond. Gostaria de saber, bom, a filosofia, graças a divulgadores como o senhor, tem florescido muito nos últimos anos e de algum modo, tem substituído uma outra atividade que vive um momento de crise, que é a psicanálise. Gostaria de saber do senhor se os filósofos estão substituindo os psicólogos, os psicanalistas. Non, c'est une question magnifique. Là, vous allez vraiment comprendre ce que c'est que la philosophie. Ah, vraiment, là, dans les 5 minutes, vous allez voir, parce que c'est parfait, les questions. Religion. En fait, vous avez trois grandes disciplines qui ont le même but. La religion, parvenir à la vie bonne, supprimer la peur, sauver l'angoisse. Si vous avez la foi, vous êtes sauvé. Vous n'avez plus peur. Un vrai chrétien n'a plus peur. Un vrai musulman, un vrai juif. Et puis, il y a la psychanalyse. La psychanalyse, elle vise aussi à réduire l'angoisse, à supprimer les phobies, les idées obsédantes. Et donc, quand vous êtes déchiré, vous allez chez le psychanalyste et voilà. Quelle est l'idée de la psychanalyse? Elle est géniale. Moi, je ne suis pas du tout hostile. L'idée de la psychanalyse, c'est que l'angoisse apparaît en nous, l'angoisse nous submerge. À partir du moment où notre personnalité se déchire. Le principe de la naissance de l'angoisse, chez Freud, c'est quand il y a un conflit entre ce que Freud appelle le « ça », c'est la libido, les désirs, et puis le surmoi, c'est-à-dire les tabous, la morale, les interdits. Et quand on est déchiré, l'angoisse prend la place du déchirement. Et le but de l'analyse, le but de la pratique analytique, c'est de se réconcilier, c'est de refermer la déchirure pour que l'angoisse cesse.
Là, vous allez voir exactement la différence entre philosophie, religion et psychanalyse. Pour la religion, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la philosophie, c'est aussi une doctrine du salut, mais sans Dieu et sans la foi, par soi-même. Avec la psychanalyse maintenant, vous allez voir la différence, elle est très simple. Et c'est pas, il n'y a pas de compétition. Moi, j'aime beaucoup la psychanalyse, pas le problème. Il n'y a pas besoin de se combattre. La psychanalyse, elle s'occupe de l'angoisse pathologique, c'est-à-dire de l'angoisse qui est liée à l'existence de conflits psychiques qu'il faut résoudre, comme un chirurgien referme les plaies. Imaginez, c'est une fiction, mais imaginez que vous ayez fait une analyse réussie et que vous ayez fait 10 ans de psychanalyse et que ça ait marché. Un bon analyste, vous êtes une bonne analysante, et ça a marché. Et au bout de 10 ans, c'est refermé. En principe, je dis bien en principe, bien sûr ça n'existe pas, mais en principe, l'angoisse devrait avoir disparu. L'angoisse pathologique, l'angoisse liée au conflit psychique, au déchirement. Normalement, l'angoisse a disparu. Restera l'angoisse philosophique. Par exemple, vous avez un enfant, et un enfant de 2 ans qui perd son ballon comme ça, qui traverse la rue, un enfant de 2 ans, ça peut courir après son ballon pour le rattraper, même s'il y a un camion qui arrive. Ça veut dire que le petit être que vous aimez le plus au monde, pour lequel vous seriez prêt à donner votre vie, il peut mourir sous vos yeux en un dixième de seconde. Et ça, ça suscite une angoisse qui est tout à fait normale, qui n'est pas pathologique. Et cette angoisse-là, la psychanalyste ne peut rien y faire, parce qu'elle n'est pas liée à un conflit psychique, elle n'est pas une angoisse pathologique, elle est une angoisse métaphysique normale. Et à cette angoisse-là, seule la religion ou la philosophie peuvent répondre. Et j'indique encore une chose, si vous permettez, parce que vraiment, ça permet de faire un tout. Dans les écoles grecques, en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des grandes écoles. Il y avait l'Académie de Platon, il y avait le lycée d'Aristote, il y avait le jardin d'Épicure, parce que Épicure enseignait dans un jardin au 4e siècle. Il y avait la Stoa des stoïciens, c'est les arcades. Il y avait des écoles. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient dans des écoles. C'était bondé. Hein, les philosophes étaient très très connus. C'était des stars. On les reconnaissait dans la rue. Plus encore qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait des milliers de gens qui venaient à l'Académie de Platon, par exemple. Hein? Or, écoutez bien ça, ça c'est très très important. Dans l'école stoïcienne, par exemple, on ne faisait pas ce que je fais maintenant, c'est-à-dire tenir un discours pour expliquer comme un cours à des élèves. Mais il y avait une pratique de la sagesse. Il y avait des exercices pratiques, de nombreux exercices. Et je vous donne un exemple, et puis je m'arrête là, je parle trop. Mais un exemple, pour vraiment que vous mettiez les choses ensemble. Dans l'école stoïcienne, le chef de l'école, le premier stoïcien, qui s'appelait Zénon, Zénon de Citium, c'est pas Zénon d'Élée, hein, confondez pas les deux, c'est Zénon de Citium, Zénon de Kition, Kition en grec. Et Zénon, qui était le père fondateur de l'école stoïcienne, donc le premier philosophe stoïcien, demandait à ses élèves de faire un exercice qui aujourd'hui nous paraît complètement idiot. Il demandait aux élèves, qui pouvaient être des adultes comme vous, il demandait aux élèves de tirer un poisson mort comme un petit chien sur la place du marché à Athènes. Donc on prenait un gros mulet, on accrochait le poisson un peu pourri, un peu dégueulasse, donc ça sentait un peu mauvais, et puis le malheureux élève, il tirait son poisson sur la place du marché. Évidemment, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde lui disait, mais attends, t'es complètement cinglé, et en plus, c'est dégueulasse, il pue ton poisson. Et donc, le malheureux élève était victime de tous les quolibets, les moqueries, les insultes possibles et imaginables. Quel était le but de l'exercice de sagesse? Eh bien, le but, c'était de vaincre la peur du regard des autres. Ne pas être victime, de ne pas être prisonnier du regard des autres, ce qu'on appelle en français le « qu'en dira-t-on », c'est-à-dire ce que disent les gens sur vous. Et l'idée était bien plus profonde encore. L'idée,
c'est que le sage, c'est celui qui vit en accord avec l'ordre cosmique, avec la nature, comme Ulysse est ajusté à Ithaque. Il est en accord avec Ithaque quand il rejoint Ithaque et son monde. Eh bien, l'idée, c'est que pour vivre en accord avec la nature, pour vivre en accord avec l'ordre cosmique, il faut se détacher des conventions bourgeoises, des règles humaines. Il faut se moquer de ce qu'on dit, il faut se moquer des règles de politesse ou des règles de la vie sociale pour vivre en accord avec la nature. Et le maître de Zénon, qui était un cynique qui s'appelait Diogène, avait une femme ravissante qui s'appelait Hipparchia. Et quand il faisait l'amour avec sa femme, il habitait dans une espèce de grotte à Athènes, alors qu'il était fermé par une toile, par un rideau. Et quand il faisait l'amour avec sa femme, il levait le rideau pour que tout le monde voit bien ce qu'il était en train de faire. Et il disait aux bourgeois qui passaient, c'est la même idée. Il leur disait en ces termes, parce qu'il était très grossier, « Je vous emmerde parce que ce que je fais là avec ma femme, c'est en parfait accord avec la nature. » Et là, vous voyez bien le sens, ça paraît drôle, mais c'est pour vous dire qu'il y avait des exercices philosophiques, une pratique philosophique, et que le mot d'ordre « apprendre à vivre », c'était pas un slogan, c'était vraiment comme ça qu'on faisait, exactement comme il y a une pratique de l'analyse ou comme il y a des rituels religieux dans une église, vous voyez. Et ça, nous l'avons perdu, et je pense que tout le thème de mon livre, c'est qu'il faut retrouver cette pratique de la philosophie. Eu gostaria de entrar agora num outro tema de trabalho, de pensamento do senhor, depois a gente volta à filosofia. De modo genérico, o senhor já disse que os movimentos écologiques, de modo geral, eles são contra o capitalismo e mesmo contra a democracia. Gostaria que o senhor desenvolvesse pouquinho essa tese em relação aos movimentos écologiques. Non, c'est pas exactement ça. En fait, vous avez deux courants dans l'écologie, partout dans le monde. Ça a commencé en Allemagne dans les années 70, avec deux courants que... Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, donc je les connaissais très bien. On les appelait les Fundi et les Realo. Fundi d'un côté, Realo de l'autre. Aux États-Unis, on les appelle les Deep Ecologists et les Shallow Ecologists. C'est la même chose. Et il y a deux courants de l'écologie. Il y a un courant qui est démocratique et réformiste, c'est les Realo. Mais ça me va, je ne suis pas du tout contre eux, on est du même bord. Et puis il y a un courant fondamentaliste et, à proprement parler, réactionnaire, c'est-à-dire qui veut revenir en arrière. Et je vais vous donner un exemple d'une discussion que j'avais quand j'ai écrit mon livre « Le nouvel ordre écologique » avec le leader des Verts en France, avec le chef du parti politique des Verts, qui est un Fundi, qui est un deep ecologist. Et au fond, il me disait, et je trouve que la métaphore est parfaite, est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle, alors je ne sais pas en anglais, en français il s'appelle « Danse avec les loups ». Et c'est un film, « Dance with Wolves ». Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un soldat qui est blessé pendant la guerre de sécession, et il est renvoyé pour recouvrer la santé. Il est envoyé vers ce que les Américains, vers ce que les romantiques américains appelaient la wilderness, l'état de nature. C'est-à-dire l'endroit où la civilisation occidentale s'arrête et où reste la civilisation des Native Americans, les Indiens avec les bisons. Et évidemment, le film idéalise les Native Americans parce qu'ils vivent en harmonie avec la nature, alors que les Yankees arrivent, Buffalo Bill, et ils tuent tous les bisons, pour rien, pour s'amuser. Et c'est le symbole de la civilisation, de la consommation, du jetable qui gâche tout. Bon. Et le film, évidemment, fait passer un message qui est celui de la deep ecology, qui est celui des Fundi. Bon. Alors, ce leader des Verts me disait, ça va vous donner juste la différence entre les deux écoles de l'écologie, celle que je n'aime pas et celle que j'aime bien. Et ce leader me disait, alors, oui, il faut connaître la géographie, malheureusement, je n'ai pas l'équivalent pour le Brésil. Ce n'est pas compliqué, la France, c'est un tout petit pays. En haut,
au nord, il y a Lille, Bruxelles, la capitale de la Belgique, et puis en bas, il y a Saint-Tropez, il fait beau, il y a des bateaux, et c'est sympathique. Là où il fait froid, en bas, il fait beau. Et donc, il y a une autoroute, il y a une autoroute qui traverse toute la France, Paris est un peu au milieu, et c'est la même autoroute. Alors, sur l'autoroute, quand vous allez vers le nord, vers le haut, c'est marqué Lille, Bruxelles, les villes du nord. Quand vous allez vers le bas, c'est marqué Saint-Tropez, Marseille, Nice, Cannes, tous les endroits agréables. Bon. Et donc, l'écologiste, le chef du parti, me disait, voilà, quand vous êtes sur une autoroute, vous voulez aller vers le sud, vers Saint-Tropez, et vous voyez sur l'autoroute des panneaux où c'est toujours marqué Lille, Bruxelles. Ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise direction. Et quand vous êtes dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien de ralentir. Pas la peine de ralentir. Si vous allez moins vite, vous irez quand même dans la mauvaise direction. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas être réformiste. Pas la peine. Il faut faire demi-tour. Demi-tour, voilà. Et ça, c'est l'image de la révolution conservatrice. C'est l'héritage du romantisme allemand. C'est l'héritage de la pensée la plus réactionnaire qui soit, la restauration, le retour en arrière. Et ça, c'est l'écologie que je n'aime pas, que j'ai toujours combattu. Mais voyez ce qu'elle veut dire. Ils veulent dire que ce n'est pas la peine de ralentir. Ça, c'est contre les écologistes réformistes. Ça n'est pas la peine d'essayer de corriger les défauts du capitalisme. Il faut changer de régime. C'est ça que ça veut dire. Cette métaphore est très parlante. Susan George, qui est la leader de Greenpeace en Europe, m'avait donné une autre métaphore qui est très bonne aussi. Quand la baignoire déborde, hein, quand vous avez une baignoire, et ça passe par-dessus. Il y a deux écoles, c'est les deux écologies. Il y a les imbéciles, ça c'est les réalos, c'est les réformistes. Ils mettent des serviettes par terre. Et ça continue à déborder. Et il y a les gens intelligents, ça c'est les fundis, ils ferment le robinet. Et ça c'est la croissance zéro. Voyez. Donc les deux métaphores que je viens de vous donner, celle de l'autoroute, celle de la baignoire, elles vous indiquent bien la différence entre les deux écologies. Et moi je suis du côté des réalos et des réformistes. Voilà. Antes de fazer um demi-tour de volta à philosophie, eu queria fazer uma outra questão de uma outra atividade do senhor também. O senhor, quando ministro da Educação na França, se envolveu numa polêmica imensa internacional, que foi o veto ao uso do véu muçulmano nas salas de aula. É. E a acusação que se fazia é que seria uma postura preconceituosa. Eu gostaria que o senhor me dissesse por que proibir o véu muçulmano não é preconceito. Non, il n'y a pas eu de polémique énorme, ça a été surtout à l'étranger, parce que les pays étrangers n'ont pas compris la position de la France. Et j'ai rencontré à l'époque, j'ai fait des conférences de presse avec une centaine de journalistes de tous les pays, du Canada, des États-Unis, du Brésil, partout, pour expliquer les choses qui sont en vérité très très simples. Et ça s'est très très bien passé. Et je vais vous dire très simplement les choses. Nous avons en France la plus grande communauté juive du monde, à part Israël et New York. Il y a 1 million de juifs en France, et c'est la plus grande communauté du monde. Pour des raisons historiques très intéressantes, c'est que, alors que nous avions un régime fasciste antisémite pendant la guerre, le régime de Vichy, en 1942, la France est le pays où la société civile, les petits paysans, les petits villages, ont protégé les juifs plus que n'importe où ailleurs en Europe. Et donc, les juifs sont restés en France ou revenus des pays de l'Est où, au contraire, ils avaient été persécutés. Et donc, la France est le pays où il y a la plus grande communauté juive du monde, à part Israël et New York. Et en même temps, nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe, 5 millions de musulmans. Et après la deuxième intifada, c'est-à-dire après avec la recrudescence de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a eu en 2001 une augmentation énorme des actes de violence dans les écoles. Pourquoi ?
parce que les petits musulmans se prenaient pour des Palestiniens, alors qu'ils étaient français, et les petits juifs répondaient comme des Israéliens. Et donc, on a eu une augmentation de 300% des actes racistes ou antisémites. Il fallait dire stop. Le rôle des adultes, c'est d'empêcher les enfants de se battre, quand même. Bon. Et donc, moi, j'ai décidé que dans les écoles, pas dans la rue, pas les adultes, les petits, les enfants, même pas à l'université, juste dans les écoles, petites écoles, jusqu'à 16 ans, qu'on interdirait tous les signes religieux et tous les signes politiques. Je ne veux pas, quand on rentre dans une classe, qu'on dise « Ah, là, il y a les catholiques, là, il y a les musulmans, là, il y a les juifs. Et puis, battez-vous, tenez, on va vous donner des armes aussi, tant qu'on y est. » Non, on n'a pas à savoir, un professeur n'a pas à savoir qui est juif, qui est chrétien, qui est musulman. Je m'en fous. Pas plus qu'on a à savoir si vous êtes au Parti communiste, à la droite, chez les socialistes. Je m'en fous pas à l'école. Les adultes, oui, tant que vous voulez, mais pas à l'école. Et en plus, j'ajoute que les petites filles, les jeunes filles, celles qui ont 14-15 ans, elles venaient me voir, parce que je n'ai pas fait ça sans interroger les gens. On a beau être ministre, on n'est pas cinglé. Bon. Et donc, j'ai demandé aux petites ce qu'elles en pensaient. Et presque toutes, l'immense majorité, elles m'ont dit, les jeunes femmes, pitié, pitié. On ne veut pas être sous la domination des imams et des grands frères qui nous obligent à nous cacher le visage. On veut s'habiller comme tout le monde. On veut mettre des jeans, on veut avoir un corsage, on veut être joli, on ne veut pas cacher les cheveux. Et donc, si vous faites cette loi qui interdit tous les signes religieux, j'ai interdit les kippas, hein, j'ai interdit tous les signes, pas simples, les croix. Bon. Et donc, si vous faites cette loi, ça nous protégera contre les garçons qui veulent nous enfermer dans la religion. J'avais une amie musulmane, une jeune femme charmante, qui m'a fait une plaisanterie, je ne choquais personne, mais la mettez pas sur Internet, après je vais avoir des soucis. Comme... Mais elle m'avait dit, c'était au Caire, elle m'avait dit, ah, vous, avec... elle m'avait dit, chez nous, alors, je ne sais pas si vous allez comprendre la blague en... Tu sais, je dis pour l'interprète, quand on va dans les bureaux de vote, il y a un truc qui s'appelle l'isoloir. L'isoloir, c'est, tu sais, tu vois, d'accord. Bon. Eh bien, elle a dit, elle m'avait dit comme ça, chez nous, dans le monde arabe, on transforme les femmes en isoloir, mais on ne leur donne pas le droit de vote. L'isoloir, c'est la burqa. Donc on les cache sous la burqa, mais on ne leur permet pas de voter. Et j'avais trouvé que la phrase était... Voilà. Et donc, autant je respecte la religion musulmane, et j'ai beaucoup d'amis dans le monde intellectuel, comme mon ami Malek Chebel, qui sont des musulmans des Lumières, des musulmans éclairés, qui sont adorables, avec une belle religion, magnifique. Mais autant l'islamisme radical, c'est le nazisme de notre temps. Et donc, il ne faut pas se laisser faire. Et donc, pour des raisons qui sont à la fois la libération des femmes et la protection des enfants, il fallait absolument faire cette loi. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun cas de foulard dans les établissements. Pas un seul. Il y avait 1000 foulards, il y en a zéro aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu tellement de polémique en vérité. Simplement, les islamistes ont essayé de faire monter la sauce. Et donc, ils ont essayé, notamment en passant par les pays étrangers qui ne comprenaient pas très bien la situation française, de faire croire que c'était une espèce de doctrine laïcarde, une conception dogmatique de la République. Pas du tout. C'était juste du bon sens, en vérité. Vou fazer uma última pergunta, né? E depois a gente abre. Bom, voltando à filosofia, aqui no Brasil, há uma lei federal que obriga o ensino de filosofia e sociologia nas escolas, o que, enfim, aparentemente é interessante, mas os críticos dessa lei federal dizem que seria melhor que se ensinasse com mais veemência, mais força, mais qualidade, matemática, física, química, ciências exatas, e alegando que o ensino de filosofia e sociologia, na verdade, agrada a teses esquerdistas, enfim. Gostaria que o senhor nos dissesse, por favor, se o senhor, o que o senhor acha da obrigatoriedade do ensino, sobretudo, de filosofia nas escolas. E é fato,
Assim como o senhor proibiu o uso de véu junto às crianças, na França, aqui, hoje em dia, as aulas de sociologia e filosofia são compulsórias, devem ser dadas. Non, le voile, c'était vraiment un symbole d'islamisme radical, c'était un symbole d'asservissement des femmes, c'était un symbole de violence politique dans l'école, parce qu'on n'est pas obligé. Évidemment, si je vous disais que je milite ardemment pour l'interdiction de la philosophie, vous seriez surpris. Bon, donc je ne vais pas vous le dire. Mais je vous dirais quand même que tout dépend de la manière dont on enseigne la philosophie. Tout dépend. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart du temps, en tout cas en France, c'est une vraie tradition française, on réduit la philosophie à une espèce d'instruction civique. En gros, la philosophie en France, au lycée, ça consiste à partir de grandes notions, l'espace, le temps, la justice, le beau, le vrai, le bien. Bon. Vous partez de grandes notions et puis vous posez aux élèves une question absolument insoluble. Qu'est-ce que le beau ? Le malheureux, il a 16 ans, il n'en sait rien du tout, incapable de répondre. Donc il vous fait une tambouille. Moi, à mon avis, je pense que c'est ci, c'est ça, très mauvais. C'est pas ça la philosophie. Pardon de le dire, mais c'est une vraie connerie d'enseigner la philosophie comme ça. Si vous enseignez la philosophie comme ça, à la limite, mieux vaut ne pas l'enseigner. La philosophie, c'est pas ça. Ce qu'il faut enseigner d'abord aux enfants, aux jeunes gens, si on veut un jour qu'ils parviennent à penser par eux-mêmes et à construire leur vie, il faut leur enseigner d'abord l'histoire des grandes visions du monde. Il faut enseigner, comme je ne sais pas, je vous ai raconté tout à l'heure un petit peu l'histoire d'Ulysse, mais il faut leur raconter ça. Et en gros, il y a dans l'histoire de la philosophie, il y a 5 grandes réponses apportées à la question de la vie bonne. Je les raconte dans Apprendre à vivre. Il y a en gros une réponse grecque, il y a en gros une réponse chrétienne, si on veut, il y a la réponse de l'humanisme moderne, il y a une réponse qui est celle des grands penseurs de la déconstruction, comme Nietzsche et Heidegger, et puis il y a, je crois, une réponse d'aujourd'hui, ce que j'appelle, moi, la révolution de l'amour, mais peu importe. En gros, je pense qu'il y a 5 grandes réponses. Mais il faut enseigner ça aux enfants, c'est passionnant. Il faut leur faire découvrir les grands penseurs, les grands auteurs. Vous savez, c'est la formule que Hegel reprenait à un théologien du XIIe siècle. « Nous sommes des nains juchés sur le dos de géants. » Nos enfants sont des nains juchés sur le dos de géants. Enseigner la philosophie aujourd'hui, c'est d'abord, me semble-t-il, enseigner les grandes visions du monde pour permettre aux enfants de penser par eux-mêmes. Mais quand vous demandez à un enfant « qu'est-ce que le temps ?» Mais il n'en sait rien. Moi non plus, j'en sais rien. Je peux vous bricoler une réponse en disant « Kant pense que le temps, c'est la forme de l'intuition, mais Leibniz, ou je ne sais pas quoi, Hegel pense que le temps, c'est « der Dasein der Begriff », le concept existant, je ne sais pas quoi, je vais vous bricoler une dissertation. J'aurai mon bac, bon, j'aurai mon examen. Mais je le dis moi-même, ce que j'écrirai moi-même là-dessus, ce sera un tissu de conneries, bullshit. Ça ne vaut pas un clou, ce n'est pas de la philosophie. Et même si j'ai 19 sur 20 à l'agrégation, j'étais reçu premier au concours, mais avec des dissertations qui étaient des tissus de conneries. Ce n'est pas ça la philo. C'est pas la philosophie, ça ne consiste pas à bricoler une espèce d'argumentation sur des sujets vaseux pour montrer qu'on est intelligent. Ce n'est pas ça. C'est vraiment apprendre à vivre. Et donc, si on veut que nos enfants... Et alors, je vais vous dire pourquoi l'histoire de la philosophie, c'est important. Parce que, ça, c'est vraiment, je vais vous dire une chose là aussi, enfin, me semble-t-il, absolument cruciale. Dans l'histoire des sciences, quand une théorie scientifique est vraiment fausse, par exemple, la physique de Descartes, tout est faux. Vraiment, les lois du choc, c'est un tissu d'erreurs. Bon, tout est faux. Le premier vrai physicien, c'est Newton. Bon, et alors, la biologie de Descartes, elle est délirante. Par exemple, Descartes pensait que le sexe des garçons, la différence entre les filles et les garçons, c'est que quand le fœtus avait
le devant, le ventre tourné vers le nombril, ça lui faisait pousser le sexe. Alors c'était un garçon. Et quand il avait le dos vers le nombril, c'était une femme avec des fesses plus rondes. Tu penses, comme biologie, bon, c'est complètement délirant. Hein, ce que je voulais dire. Bon, alors, en science, quand une théorie scientifique est dépassée comme la biologie ou la physique de Descartes, ça va à la poubelle, vous ne pouvez plus rien en faire. Les érudits à l'université, moi j'enseigne, j'ai enseigné les lois du choc de Descartes pour mes étudiants, mais scientifiquement, ça ne vaut plus rien, ça n'a aucun intérêt. Bon. En revanche, la philosophie, c'est comme l'histoire de l'art. C'est le contraire de l'histoire des sciences. Dans l'histoire de l'art, les arts anciens, vous pouvez encore y habiter. Un château de la Renaissance ou un temple grec, ou voilà, une ville romaine comme à Palmyre, en Syrie, c'est sublime. Et donc, vous pouvez très bien aimer Vermeer ou la peinture hollandaise ou la peinture italienne de la Renaissance autant ou plus qu'un Picasso. Dans l'histoire de l'art, les arts anciens ne sont pas dépassés par les arts modernes. Eh bien, dans l'histoire de la philosophie, c'est pareil. Les philosophies anciennes sont aussi habitables, aussi présentes que les philosophies modernes. Vous pouvez très bien être encore aujourd'hui chrétien, par exemple. Vous pouvez très bien vivre dans la philosophie grecque. Vous pouvez très bien être stoïcien, épicurien ou spinoziste. Et donc, l'histoire de la philosophie, c'est comme l'histoire de l'art. Les cinq grandes réponses apportées à la question de la vie bonne, elles restent encore aujourd'hui des possibilités pour nous. C'est une deuxième raison d'enseigner l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas du musée, ça reste actuel, ça reste présent. Ce n'est pas simplement comme si on visitait des théories scientifiques dépassées. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc je pense que l'enseignement de la philosophie, c'est formidable s'il est centré là-dessus. Si ça consiste à faire des dissertations stupides sur des sujets qui n'ont aucun intérêt, je ne suis même pas sûr qu'il faille défendre l'enseignement de la philosophie. Bon, eu vou abrir então, já é só uma e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seria... Allez, le microphone. Ça fait zonzon. Ah oui. Oui. Eu queria perguntar, assim, uma pergunta talvez filosófica, se o senhor é contra ou a favor da guerra? Essa é a primeira pergunta. Por que essa pergunta? Em função da intervenção francesa na Líbia, por exemplo, como é que o senhor se posicionou? Ah, oui, ou... ah, oui. Oui, d'accord, oui. Non, je pense qu'il y a deux... Il y a deux types de guerres, si vous voulez. Il y a des guerres de conquête qui sont évidemment détestables et qui sont en plus absurdes. Et en revanche, il y a des guerres qui sont faites pour protéger des populations civiles. Et on en a quelques exemples récents. La guerre au Kosovo, on est intervenu contre les Serbes pour empêcher le massacre des Kosovars qui étaient programmés. Et la guerre en Libye est un bon exemple. On est intervenu en Libye pour protéger le massacre de Benghazi, des civils de Benghazi, qui étaient absolument programmés. On savait que c'était programmé. Et on savait que si on ne faisait rien, ces gens, par centaines de milliers, allaient être massacrés par Kadhafi. Donc ce type de guerre, évidemment, je le défends. Je vais vous raconter une anecdote vraie, que personne ne connaît. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais raconté à personne en dehors de mes proches. Pendant la guerre au Kosovo, le président Chirac, président de la République, a eu, avec le chancelier allemand et le président américain, les photos satellites du territoire serbe. C'était les premières photos satellites vraiment ultra, ultra précises. C'est-à-dire, vous voyez le type qui allume sa cigarette, vous voyez le réchaud, vous voyez les gens qui sont en train de manger. Et on avait 180 000 soldats serbes. C'était parfaitement photographié. Et nous avions la possibilité, français, allemand, américain, de vitrifier, de tuer tous les soldats serbes. On était en guerre contre eux.
Eh bien, évidemment, le président Chirac et le chancelier allemand ont dit « mais pas question ». Jamais on n'est pas là pour tuer ces malheureux soldats, même si on est en guerre avec eux. On ne va certainement pas envoyer des bombardiers raser l'armée. On est là uniquement pour protéger les Kosovars. Et donc on a, alors que le président américain était bon, à la limite partant pour balayer, ou en tout cas faire des bombardements suffisamment forts, peut-être tuer 30 ou 40 000 personnes. C'était des soldats, c'était des militaires, ils étaient là pour mourir. Mais quand même, Chirac a dit, mais c'est pas possible, ça n'a même pas de sens. On n'est pas là pour faire ça. Et je crois sincèrement que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un chef de guerre, en guerre, donne l'ordre de ne pas tirer sur des soldats ennemis. Ça n'était jamais arrivé avant. Le contre-exemple, c'est Nagasaki, Hiroshima, où on a décidé pour, vous le savez, on le sait aujourd'hui, pas pour gagner la guerre, pour expérimenter les armes, de tuer 600 000 personnes, des enfants, des femmes, des civils, juste pour expérimenter la puissance de la bombe. Ce n'était même pas un but de guerre. C'était juste pour tester les armes. Voilà, donc demander si on est pour ou contre la guerre n'a pas de sens. Je suis contre les guerres de conquête, je suis a fortiori contre Nagasaki, Hiroshima, mais je suis évidemment pour l'intervention en Libye, évidemment. Si on était resté à rien faire, on aurait assisté au massacre de ces civils par une véritable ordure de tyrans. Franchement, ce n'est pas grandiose. Et donc là, je l'ai dit tout de suite, je ne pouvais que soutenir l'action de Cameron et Sarkozy. Ils avaient raison. Même s'ils l'ont fait pour des raisons de politique intérieure et pour, comme on dit, redorer leur blason, pour essayer de conquérir l'opinion publique. Ça, c'est autre chose. Mais sur le fond, c'était une intervention juste. Je tenho uma pergunta. Ok. Eu tenho uma pergunta. O senhor falou, de modo geral, as razões pelas quais gosta do Brasil. Mas eu queria que o senhor se estendesse um pouquinho mais. Quais as razões para se gostar do Brasil? Écoutez, il y en a plusieurs, évidemment. D'abord, la beauté. Bon, c'est vrai que c'est un pays magnifique. Il y a une deuxième raison qui est toute bête, c'est que il y a un mélange de races, si on peut parler de races, de couleurs, de peau, d'origine ethnique, qui fait que, au fond, le racisme est presque impossible. C'est-à-dire qu'il y a, au Brésil quelque chose qui, de l'ordre du métissage permanent, dont j'adorerais que nous ayons la même chose en France. Voilà. Nous vivons en Europe dans des pays où les ethnies, les origines sont restées extraordinairement séparées. Dans l'amour comme dans la mort, les cimetières en Algérie sont séparés. Les cimetières des Français, les cimetières des Algériens ne se sont jamais mélangés. Il y a eu très peu de mariages mixtes. Et c'est vrai que ce métissage m'est extraordinairement sympathique. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde encore. C'est que dans mon enfance, dans ma jeunesse, pratiquement les pays d'Amérique latine étaient encore des dictatures. Comme les pays de l'Est, enfin moins terribles que les dictatures de l'Est, mais c'était quand même des dictatures. Et le Brésil, au fond, a été, je dirais, le modèle d'un immense pays démocratique. Et c'est d'autant plus extraordinaire que plus un pays est grand, et le Brésil, c'est 18 fois plus grand que la France, eh bien, plus un pays est grand, plus c'est difficile d'avoir une démocratie, de ne pas y installer un empire. La Russie a beaucoup de mal à passer à la démocratie, parce que c'est juste, c'est trop grand. Bon. Et donc, je trouve que ce modèle démocratique que le Brésil a offert au reste du monde est absolument extraordinaire. Et puis, vous avez quand même eu un président, bon, voilà, Lula, qui a réussi à être, à partir avec 85%, je crois, d'opinion favorable, ou quelque chose comme ça, ce qui est, dans une démocratie, un cas unique dans l'histoire du monde. Il avait peut-être des défauts, des qualités, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette expérience démocratique est quand même quelque chose qui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, a rendu votre pays incroyablement sympathique en Europe. Un peu comme Obama, après Bush, a rendu à nouveau les États-Unis sympathiques au monde entier.
A tort ou à raison, il a des défauts, Obama, il ne fait pas grand-chose, il a beaucoup d'échecs, il est très décevant. Bon, sur Israël, il n'est pas très bon. Bon. Mais c'est vrai, il n'est pas... Mais voilà, l'homme est sympathique, l'homme est honnête, l'homme a du talent. Et puis, c'est la première fois qu'un noir est élu dans le pays qui fut le plus raciste du monde. Donc, tout ça est tellement sympathique que, voilà, de même qu'on s'est mis à aimer les États-Unis grâce à lui, on s'est mis à aimer le Brésil grâce à Lula. Voilà. Et donc, il y aurait plein d'autres raisons, mais ce serait plus privé. Comment la philosophie, si est qu'elle consegue, comment la philosophie, si est qu'elle peut nous aider à lidar com essa angústia moderne de ne pas conseguir ter. Absorver todas as informações possíveis, disponíveis, tudo que é falado o tempo todo e ao mesmo tempo que a profissão e os estudos nos cobram isso. Oui, c'est le propre des sociétés démocratiques, c'est que à la fois l'information, je dirais horizontale, devient gigantesque. Donc grâce à Internet, vous avez 1 milliard d'informations par jour. Et en même temps, l'information verticale historique devient elle aussi gigantesque. Les archives grossissent dans tous les pays. On a un problème de stockage des archives qui pose le même problème au fond pour les historiens que pour les journalistes. Qu'est-ce qu'on va jeter? Qu'est-ce qu'on va garder? Vraie question. Par exemple, au château de Versailles... Ça s'accumule. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qui est historique et important? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qui peut décider ça? Et dans l'information, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? La plupart du temps, on résout cette angoisse avec ce qu'il faut bien appeler la démagogie. C'est quand même largement comme ça que fonctionne la presse. On va garder à la une du journal ce qui intéresse les gens, ce qui plaît au peuple, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. C'est une grande question pour les journalistes. Quand vous regardez le journal du soir à la télévision, les premiers titres sont généralement juste les plus populaires, mais pas forcément les plus importants. Et même si un journaliste est très intelligent et très honnête, la tyrannie de l'audimat, elle est réelle. Sur une grande chaîne de télévision privée, si vous n'avez pas l'audience attendue par le patron, vous êtes viré, dans le quart d'heure. Et dans un journal c'est une entreprise privée. Si vous ne vendez pas le journal, vous êtes viré. Et moi j'ai vu des patrons de journaux être virés du jour au lendemain parce que le propriétaire estimait que les unes n'étaient pas les bonnes. Voilà. Et donc je pense que oui, c'est vraiment, comment dire, dans votre métier de journaliste, il y a cet immense flot d'informations, de connaissances, et puis il y a 2 critères de choix. Il y a le critère du public, qu'est-ce qui va amuser le public? Bon, vous êtes obligé d'en tenir compte quand même, dire le contraire serait mentir, mais comment faire pour, malgré cette contrainte terrible, faire passer ce qui vous paraît malgré tout le plus important quand même. Et c'est un peu comme dans les maisons d'édition, c'est pareil. Moi, j'ai été aussi éditeur, j'ai dirigé une collection. Ben, quelquefois, on va gagner de l'argent avec des mauvais livres, mais là où on se pardonne soi-même, c'est que grâce à cet argent, on peut parfois publier un très bon livre qu'on n'aurait pas pu publier si on n'avait pas publié Paul Coelho. Qui est d'ailleurs un gentil garçon, hein, c'est une vacherie, mais non, qui est un très gentil bonhomme. Mais bon, c'est vrai que l'alchimiste était un peu un livre pour les enfants quand même, quoi. Et c'est vrai que l'éditeur de l'alchimiste en France, je crois qu'il a vendu 1 million d'exemplaires, et avec l'alchimiste, il a pu publier, voilà, peut-être les œuvres de Hegel. Eu queria só encerrar, mas só fazer um comentário. Ontem, me preparando para essa conversa, eu me lembrei de uma frase de uma música do Caetano Veloso, na qual ele diz que só é possível filosofar em alemão, inspirado numa frase do Heidegger, que só é possível filosofar em...
en fait, c'est très profond. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne. En fait, il y a deux grands moments dans la philosophie. Il y a les Grecs et les Allemands. C'est vrai que les autres sont beaucoup moins bons. Et les Grecs et les Allemands, c'est les deux grands moments philosophiques au sens où je l'entends. C'est au sens où c'est les deux grands moments où on cherche vraiment à définir la vie bonne. Après, les philosophes anglo-saxons, c'est du discours sur les sciences. Bon, je les connais bien, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et alors les philosophes français des années 60, c'est vraiment des Foucault, Derrida, Deleuze, c'est juste des tout petits épigones des philosophes allemands. Foucault, c'est un tout petit disciple de Nietzsche. Derrida, c'est un tout petit disciple de Heidegger. Althusser, c'est un tout petit disciple de Marx. Lacan, c'est un tout petit épigone de Freud. Mais les pères fondateurs, c'est les grands Allemands de l'époque. Et donc, il faut les lire en allemand, parce que les traductions ne sont pas bonnes, elles sont pleines de fautes. De même qu'il faut lire Platon et Aristote en grec, si on peut, si on ne peut pas, c'est pas grave, mais si on peut, c'est mieux. Si c'est son métier, il faut faire l'effort d'apprendre l'allemand et le grec. Si c'est juste pour se cultiver, c'est pas grave, c'est bien. Mais si c'est vraiment son métier, moi c'est mon métier. Donc je ne conçois pas de lire Kant en français ou de lire Platon en français. Ça n'a pas de sens. Il faut les lire en grec ou au moins pouvoir avoir le texte à côté. Parce que par exemple, quand il utilise le mot cosmos, il faut savoir que c'est de ça qu'il parle. Bon. Et il y a une raison pour laquelle le moment grec et le moment allemand sont les deux grands moments philosophiques. Ce n'est pas parce que les Grecs sont géniaux, ce n'est pas parce que les Allemands sont géniaux. Il y a là quelque chose qui est lié à l'histoire culturelle de la Grèce et de l'Allemagne. Et si vous avez bien compris ce que je vous ai dit sur la différence entre religion et philosophie, mais aussi sur la proximité entre les deux, vous allez comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Mais là aussi, c'est... Ça, il faudrait faire un vrai livre là-dessus. La philosophie a toujours été sécularisation, laïcisation d'une religion qui lui préexistait. C'est-à-dire que la philosophie grecque, c'est juste une version rationalisée, sécularisée, laïcisée de la mythologie grecque. Par exemple, le stoïcisme, c'est exactement le message de la mythologie grecque. Quand vous regardez les grands mythes grecs, tous, les travaux d'Héraclès, les Persée, Thésée, toujours ce que raconte la mythologie grecque, c'est la lutte d'un héros qui essaye de protéger l'ordre cosmique contre les monstres. Par exemple, les travaux d'Héraclès, Héraclès va combattre des monstres qui d'ailleurs sont tous des enfants de Typhon. Je pourrais vous expliquer pourquoi. C'est une ascendance qui est celle des titans, des premiers dieux, les dieux du chaos, les dieux contre lesquels Zeus a créé le cosmos. Eh bien, la mythologie grecque, elle raconte toujours la lutte des héros, des grands héros, contre des monstres qui menacent de détruire l'harmonie du monde. Cette harmonie sans laquelle on ne peut pas définir le sens de la vie. Parce que le sens de la vie, c'est de trouver sa place dans l'harmonie du cosmos. Eh bien, la philosophie grecque ne sera rien d'autre qu'une version rationnelle, non religieuse, de la mythologie. Et de la même manière, toute la philosophie allemande, de Kant à Hegel, même de Leibniz à Hegel et même Marx, c'est une présentation rationaliste de Luther, de la théologie protestante, c'est-à-dire ce geste du protestantisme premier, en allemand on dit Luther, de Luther, je ne sais pas comment on dit chez vous, le théologien protestant, eh bien, le geste de Luther, c'est de dire « Je ne veux pas lire la Bible dans la traduction latine. Je me méfie de la Vulgate. » La Vulgate, c'est trafiquée par le Vatican. Le Vatican, c'est des voyous. Le Vatican, c'est des gens qui signent des indulgences, c'est-à-dire des pardons, aux gens en échange d'argent pour reconstruire les murs du palais. Je ne veux pas lire la Vulgate, je veux lire le texte de la Bible en araméen et en grec. C'est pourquoi Luther va inventer la philologie allemande. Et ce geste de Luther, c'est le geste
du rapport à la vérité pure, la vérité absolue, la vérité qui n'est pas médiatisée, déformée par les médiations sociales que le Vatican met en place. Et ça, ce sera le geste même de la philosophie allemande. Hegel voudra atteindre la vérité absolue, le savoir absolu. Hegel ne cesse de dire toute la philosophie allemande, c'est la sécularisation du protestantisme. Et donc les deux grands moments philosophiques sont liés au fait que la culture grecque et la culture allemande ont vécu, avant la philosophie, des moments mythologiques et religieux extraordinairement forts. Alors là, il faudrait chercher la cause, c'est toujours pareil avec l'histoire, ça se mord la queue, mais c'est vraiment lié à cette puissance de la mythologie grecque et à la puissance de la réforme luthérienne. Sans ces deux moments mythologiques et religieux, il n'y aurait pas eu de philosophie en Grèce et en Allemagne. Et donc, ce n'est pas un hasard. Et vous n'avez pas ça aux États-Unis, voilà, et vous n'avez pas ça en France. Descartes, ce n'est pas un très grand philosophe, contrairement à ce que croient les Français. C'est pas bon Descartes, c'est quand même... C'est mille fois moins bien que Pascal, par exemple, qui lui est un philosophe chrétien, qui est un milliard de fois plus intelligent, plus profond que Descartes. Le seul grand philosophe de langue française, à mes yeux, c'est Rousseau, qui est vraiment génial, mais il n'est pas français. Il est suisse et protestant. Donc c'est un Allemand qui écrit en français. Vous n'aimez pas beaucoup Descartes. Non, je déteste Descartes. Non, j'ai toujours détesté Descartes. Je connais très bien, hein, j'ai fait cours, là. On est obligé en France. Moi, j'ai fait cours sur Descartes à mes étudiants, puis en plus j'ai passé mon agrégation sur Descartes. Je connais la physique de Descartes, la biologie de Descartes. Mais j'ai toujours détesté Descartes. Je trouve que tout est faux, tout est filandreux, les raisonnements ne tiennent pas debout. Alors, il y a juste un truc génial chez Descartes. Ça, c'est génial. Et ça expliquera le fait que la France va devenir le pays de l'art moderne. Que tous les modernistes vont s'installer en France. Vous savez, l'idée de Descartes, c'est l'idée qu'on va mettre en doute tout ce qui est reçu du passé, hein, tout ce qui vient de la tradition, le doute radical. Et l'idée, c'est qu'on va faire la tabula rasa. On va faire table rase du passé et on va tout reconstruire à partir de zéro. Et cette idée-là, c'est la Révolution française. On va faire table rase de l'Ancien Régime et on va reconstruire le monde. Souvenez-vous que les révolutionnaires français mettent un calendrier nouveau qui est l'an 1, comme si l'histoire commençait à partir de zéro. Ça, c'est le geste de Descartes. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, Tocqueville dit « Les Jacobins, les révolutionnaires français, sont des cartésiens sortis des écoles » est descendu dans la rue. Magnifique, c'est exactement ça. Et après, un siècle après, vous allez trouver, à partir de 1850, la naissance de l'art moderne, l'invention de la vie de bohème. Les bohèmes, ce sont les jeunes gens qui ont les cheveux longs, qui ont des barbes, et qui veulent faire table rase du passé, c'est le geste de Descartes, pour inventer un monde absolument neuf, esthétique ou politique. Et donc, le geste cartésien, le geste de la Révolution française et le geste de l'art moderne, la table rase du passé, l'innovation radicale, ça, c'est la tradition française. Ça, c'est ce qu'il y a de génial chez Descartes, malgré tout. Mais le reste est sans intérêt. Et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que dans toutes les langues du monde, on va parler d'avant-garde en français. En espagnol, en allemand, en italien, en anglais, on dit avant-garde ou vanguard. Le mot français est là parce que c'est au moment où on invente la vie de bohème, comme cet idéal de la table rase et du nouveau, qu'on va parler d'avant-garde. On va dire que les artistes sont l'avant-garde de l'histoire parce qu'ils inventent le monde qui vient. Et ça, c'est vraiment typiquement français. C'est pourquoi, en effet, la France va être le pays des artistes contemporains jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et après, ça va passer aux États-Unis. Mais tous les grands, les Giacometti, tout le Picasso, le bateau Lavoir, les surréalistes, tout ce qui s'est inventé dans l'art moderne est passé par la France, est passé par Paris. Paris a vraiment été la capitale de l'avant-garde, la capitale du modernisme, jusqu'à ce que, encore une fois, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les artistes soient beaucoup mieux payés aux États-Unis et partent là-bas, comme Derrida et Foucault iront vers les États-Unis. Mais c'est vraiment seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bon, un grand merci à vous. Merci.
Merci à vous.